Il y a quelques mois, ma fille m'a demandé de lui réaliser une maison de Barbie. Donc je vous ai fait quelques montages avec les vidéos en maxi accéléré de la construction de cette maison de Barbie. Parce que j'avais fait plus d'une dizaine de vidéos et franchement c'était beaucoup trop long, donc là je vous l'ai fait en raccourci en deux vidéos. J'ai tout simplement utilisé un ancien meuble avec des récupérations de papier peint, de bouts de bois, de tout ce que vous voulez. J'ai fait que de la récupération pour cette maison, donc au final j'en ai pas eu pour très très cher. Bon, par contre j'ai rajouté une petite extension à ce meuble parce que je trouvais que la maison de Barbie n'était pas assez grande. Donc j'ai rajouté sur le côté, j'ai rajouté des planches, comme ça au moins ça peut faire des pièces en plus, et j'ai créé des portes également pour que les pièces puissent être communicantes. J'ai ensuite fini par faire les sols et après j'ai rajouté le fond. Et après j'ai bien évidemment commencé à faire la décoration. Donc là je commence par faire la décoration du salon. Avec c'est un petit peu la décoration de mon salon à moi, mais bon, moi j'adore. Donc voilà, je fais la décoration au fur et à mesure. Je commence à mettre tous les petits meubles. Les petits meubles c'était des meubles que j'avais quand j'étais petite. Je les ai gardés et puis il y en a aussi que j'avais acheté à ma grande. Donc voilà, j'ai tout gardé. Tous les petits éléments aussi, c'est vraiment... j'ai rien racheté du tout, c'est vraiment tout ce que j'avais... Tout ce que j'avais auparavant. Donc ouais, je sais. Et vous commencez à me connaître, je suis très... Je garde tout. Moi, j'aime bien tout garder. Je me dis, un jour, ça pourra peut-être servir. Donc voilà, la cuisine, elle est terminée. Après, je vais commencer à faire... à décorer la salle de bain, donc avec tous les meubles, les toutes petits ustensiles de Barbie. Et après, je vais finir par faire la chambre d'adulte. Et après, je me suis dit, je vais faire une modification au niveau du haut, parce que j'avais mis le toit, mais après, j'ai fait une modification. Donc j'ai coupé une partie, j'ai fait...